Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo de lecture guidance du mois de juin. Ce fameux mois de juin qui annonce l'été, enfin l'été où on profite du soleil, où on profite de la vie. En tout cas, sous nos latitudes. Donc, amis Sagittaires, qu'est-ce qui vient vers vous en ce beau mois de juin ? Et nous allons voir cela grâce à, déjà, l'énergie générale, globale que vous envoie l'oracle pour vous. Nous avons le jugement. Oh, c'est mon arcane préféré. Arcane numéro 20 du tarot de Marseille, le réveil des morts, disons-le. Alors, le jugement... C'est même, il n'y a même pas le mot mort dans la carte du jugement, c'est ça qui est extraordinaire. On voit que les gens sont déjà réveillés. Si on regarde cette carte, on ne pourrait pas forcément imaginer qu'ils étaient morts. Sauf si on connaît l'histoire de l'archange, évidemment, Gabriel. Alors, il sonne la trompette, il réveille les morts. Donc imaginez-vous, amis Sagittaires, le réveil, qu'est-ce que ça veut dire, le grand réveil? Eh bien, ça veut dire que... de formidables énergies vont être avec vous en ce mois de juin pour justement vous réveiller de cet hiver qui a été parfois un petit peu compliqué, disons-le. Allez, on rentre dans le détail de cette lecture. Si on regarde le nombre et quels sont les arcanes majeurs qui sont sortis, nous avons un arcane majeur. Boum, la force. C'est suffisant, c'est bien. Alors, nous y reviendrons. Le prince d'épée en haut de la pyramide. Vous terminerez... Et oui, j'aime bien finir par la fin, comme ça après, on écoute pourquoi on en arrive là. Alors, le prince d'épée nous montre que vous allez mener un combat qui vous tient véritablement à cœur. Alors attendez, je me rends compte que vous ne voyez pas les cartes complètes. J'ai jeté un œil à la caméra. On va se mettre un petit peu plus par là. Hop, et voilà. Je vais peut-être d'ailleurs agrandir un peu le... Oui, en fait, voilà. Très bien, là on est bien. Alors je disais donc, excusez-moi, le prince d'épée. Le prince d'épée, alors déjà, cette carte, prince d'épée, comme tous les princes, c'est... un homme vaillant, un homme courageux. Donc ça veut dire que vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme, évidemment, c'est symbolique, vous êtes courageuse et courageux. Vous terminerez ce mois de juin en ayant mené les combats que vous aviez à mener dans la justesse, dans la justice, en défendant les causes, votre cause ou d'autres, qui sont importantes. Donc vous aurez gagné. Le prince d'épée est évidemment le grand vainqueur des combats. Alors, nous commençons avec le 6 de coupe sur vous. Le 6 de coupe, c'est une carte de choix en amour. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? En relationnel, ça veut dire que vous avez des choix à faire, vous aurez des choix à faire, mais vous êtes surveillé. Donc, des choix, c'est un peu, sont des choix compliqués qui entraînent pas mal de choses, pas mal de bouleversements, pas mal de changements. Mais avec toutes les fleurs qui sont dans ces coupes, évidemment, on se doute qu'on nous parle de passion déjà quand même. 10 de pentacle et 9 de baguette. Alors, ce qui entoure ce souci, enfin ce choix relationnel, le 10 de pentacle qui nous parle de grande abondance. Vous voyez cet homme âgé, le 10, hein, c'est le plus grand nombre, c'est déjà un nombre d'ailleurs, c'est le plus grand chiffre de la tarologie, des cartes. Et vous voyez ce vieil homme qui... profite de tout ce qu'il a créé, de tout ce qu'il a construit dans sa vie. Ses enfants qui sont dans l'abondance, il peut les nourrir et même leur donner plus que ça, qui ont eu eux-mêmes des enfants, il y a aussi les chiens qui représentent la grande abondance, la richesse. Voilà, c'est un tout, hein. Alors, ils s'aiment. Bref, on voit que vous démarrez ce mois Sagittaire dans l'abondance des choses, des sentiments. Et le 9 de baguette nous parle évidemment d'une fin d'étape, de quelque chose qui se termine, mais on est quand même dans le matériel. Alors il semblerait bien que vous ayez des choses matérielles à régler. Et puis le 7 de coupe et le 5 de baguette, là encore,
On parle à la fois de relationnel, avec le 7 de coupe, tout est permis pour vous. Toutes les arrivées sont possibles. Le 5 de baguette, c'est toujours une déstabilisation matérielle. Alors, on pense du coup, évidemment, on voit bien que matériellement, vous avez une situation à régler qui vous pose quand même certains soucis, qui vous perturbe, c'est une évidence. Mais pourtant, la passion est là derrière. Et regardez ce que nous avons ici. Donc, nous avons la force. La force tranquille. Cette jeune femme, toute douce, toute calme, toute romantique, qui a servi ce lion qu'il se laisse, mais complètement faire, avec le sigle de l'infini qui nous dit « La force tranquille est capable de tout faire passer. » La force tranquille, la confiance en soi, la douceur que l'on peut employer lorsqu'on a confiance en soi, eh bien, tout est possible. Qui entoure la force? Le roi de Pentacles. Le plus abondant des abondants. Le roi de Pentacles, c'est vraiment la carte de l'abondance. Il maîtrise tout argent, tout l'or, toute l'abondance. Regardez comme il est bien positionné. Il ne craint absolument rien. Et la princesse de Pentacles, il la protège. C'est sa fille en quelque sorte. Et elle aussi a tout ce qu'elle veut, les épis de blé dans la main, le pentacle dans l'autre, la richesse, elle est dans un champ, elle est libre, elle est douce, on voit qu'elle est gentille, elle est contente, elle fait ce qu'elle veut. Mais elle fait ce qu'elle veut tout en étant protégée. On a ici une idée de grande force et de grandes possibilités matérielles. Et enfin, le prince d'épée nous montre qu'il y a eu des combats, ça n'est pas si simple que ça. Alors, si on prend les choses globalement, évidemment, et que l'on garde cette signification qu'il ne faut jamais oublier, qui est votre fil conducteur, c'est un événement qui vient de l'extérieur, une situation, une rencontre qui va bousculer votre vie et qui va évidemment vous mettre dans des changements matériels. Alors, ça peut être au niveau du travail, une proposition d'emploi fort intéressante, mais qui du coup déstabilise votre famille, peut-être est-ce loin, peut-être est-ce une mutation, peut-être est-ce un emploi à l'étranger. Mais on peut aussi, pour l'instant, parler de changement relationnel, c'est-à-dire une rencontre, quelque chose qui vous réveille, qui vous remet en passion, et évidemment de la matérialité, des choses à régler. Vous êtes quand même, avec ce prince d'épée, vous êtes quand même sur un passage grâce à ce réveil. Alors, c'est surtout un réveil, c'est moins un passage qu'un réveil. Peut-être que le passage se fera plus tard, mais pour l'instant, il y a un réveil. Il y a une dynamique qui vous remet dans la vie. Si l'on prend la carte de la mère universelle, si l'on regarde son conseil, l'attitude qu'elle vous conseille d'avoir, bon, on va voir ce qu'elle vous dit. Le sentiment qu'il faut dégager, voilà ce sur quoi il faut vivre, il faut. En ce mois de juin, nous avons Notre-Dame de la nourriture. Alors ça, c'est très important. Elle ne sort pas souvent. Notre-Dame de la nourriture, on a vu plein d'abondance. Eh bien, ça veut dire que, attention, vous serez dans un réveil, vous serez dans un changement, forcément, grâce à ce réveil, mais il ne faut pas oublier de nourrir tout le monde. Qu'est-ce à dire? Eh bien, ça veut dire que si vous êtes dans un changement, il ne faut pas laisser complètement tomber les personnes qui, jusque-là, ont été avec vous. Eh oui, c'est pas encore le temps de la rupture. Ce n'est pas le temps de la cassure. C'est juste un temps de rencontre, un temps où, sur votre route, passe quelqu'un, ou une situation, ou une opportunité. Mais c'est tout, on pourrait presque dire mais c'est tout. Évidemment, nous verrons dans les mois suivants ce que vous allez faire de cette chose qui passe sur votre route. En tous les cas, beaucoup de force en vous et beaucoup de confiance. Alors nous allons voir maintenant justement le côté strictement relationnel pour voir si nous restons dans cette lignée-là. Avec la carte qui va exprimer elle aussi, que l'on va mettre ici,
Donc, votre les fleurs naturelles, ça pop, 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 ça tombe. Votre énergie amoureuse ou relationnelle, évidemment, ce n'est pas que l'amour, il y a aussi le relationnel, hein, ceux qui sont autour de nous. Et je vous rappelle, mes amis, que je propose des consultations privées en cabinet à Sanary-sur-Mer dans le Var, ou bien par téléphone, ou bien en visio avec la caméra, comme ici, où vous pourrez voir les tirages. Consultations qui mélangent à la fois l'astrologie, les oracles, donc très 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 complètes, surtout au niveau des datations. Et appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements sur mes consultations. Voilà, allez, on va prendre cette fameuse carte qui vient à vous pour nous dire quelle est l'énergie centrale pour vous relationnelle de ce mois de juin. La résurrection. Est-ce que vous êtes étonné? Ben moi pas trop. L'ange Gabriel qui vous réveille du tombeau, vous étiez un peu en routine, hein? La résurrection. Waouh, ça va loin quand même, c'est fort ça. Alors là on est boum, pouf, pile poil dedans. Évidemment, évidemment, la résurrection c'est soit un événement magnifique qui arrive dans votre couple, si vous êtes dans un couple qui marche bien, parce que bon, mais sinon, on le comprend, la résurrection, c'est soit une rencontre, si vous êtes célibataire, une rencontre magnifique qui se pose sur votre route, soit, et même si vous n'êtes pas célibataire, il peut aussi évidemment y avoir une rencontre qui chamboule un peu les choses. Et on le comprend. Alors, c'est selon un peu votre situation, votre positionnement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a l'idée d'une résurrection. On aime ça. Allez, on va essayer de donner un peu des détails sur cette résurrection. Qu'est-ce que nous avons? Allez. Alors, tout d'abord, nous avons une annonce officielle. Complètement officielle. On n'est pas dans la trahison. On n'est pas dans la relation triangulaire où on n'y restera pas. On n'est pas dans ce genre de choses. Mais, pour que ça devienne officiel, reconnaissons qu'il y a des obstacles à passer et une voie à trouver. Le labyrinthe, il cherche, hein, plou, 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 et ce n'est pas facile, mais on arrivera au temple de l'amour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est toujours pareil, soit vous faites une rencontre et vous l'officialisez rapidement, parce que vous sentez que ça marche très très bien et très très fort rapidement, hein, c'est une véritable résurrection, ça existe ça aussi, soit c'est une rencontre qui vous perturbe parce que vous êtes déjà dans une relation et là, évidemment, c'est plus compliqué. Mais il faut dire quand même que logiquement, ça ne devrait pas rester dans l'ombre. Soit évidemment, vous êtes célibataire et cette rencontre, c'est ce qu'on a dit, va très vite monter en crescendo. Grosse énergie, hein, grosse énergie. Et ici, nous avons évidemment la croix car sur le 5 de baguette, qui est la déstabilisation, nous l'avons vu, eh bien, la croix marque les difficultés. Alors, évidemment, on n'est pas seulement que dans l'amour. On peut aussi transposer des relations, justement, de travail avec un collègue ou une collègue avec qui on pouvait être très amis, dont on s'éloigne. Ça peut être aussi familial ou, si vous voulez, il y a des relations qui vous passaient à autre chose, c'est-à-dire qui étaient un peu sclérosantes et vous vous réveillez, vous vous rendez compte que on vous maintenait un peu en pression, on voulait vous maîtriser, etc. Vous savez, ça peut représenter beaucoup de choses, amis Sagittaires. Cette résurrection dans le relationnel peut représenter aussi des jeunes qui partent de la maison pour faire leur vie. Ça peut représenter un enfant de la dernière chance, c'est-à-dire on en voulait, on n'en arrivait pas à en avoir et claque, ça arrive. Vous voyez, c'est une résurrection, avec toute cette force, avec ce labyrinthe où on trouve finalement sa voie, avec ces obstacles que l'on passe, cette grosse énergie, tous ces drames qu'on a vécu, ces soucis, hop, qui s'envolent, voilà. Sur la force, regardez le soleil, c'est pas beau, c'est magnifique. Le soleil vient se mettre sur la force, ça veut dire qu'on est vraiment, on est dans la clarté. Rien n'est caché dans cette histoire du mois de juin. Le bonheur et sur la princesse de Pentacle, la fidélité.
Alors, ce chien qui vous apporte sa laisse, avec sa babale rouge aussi, il ne voit que vous, il n'a Dieu que pour vous. Ça représente la grande fidélité, le 10 de cœur, il n'y a pas plus grand chiffre d'amour. C'est important quand même ça. Donc on est dans quelque chose qui est en plein jour, en plein soleil, en pleine vie, paf, hein, ça éclate. Et sur le prince d'épée, tous les combats qu'on a menés, oh, l'étoile, magnifique, magnifique. Alors, ami Sagittaire, quelle est la carte de conclusion, en quelque sorte, du grand oracle de l'amour? Qu'est-ce qu'il vous envoie cet oracle comme carte? Nous allons le voir ensemble. Et je suis curieuse de savoir laquelle, comme vous. L'amour. Oh, bon, écoutez, on a de la chance. Quand on a de la chance, on a de la chance. Sagittaire, je vous envie, je l'avoue. Vous me rendez un petit peu jalouse quand même. Hein. Non, mais soyons très... Là, vous êtes porté en amour. Ne venez pas me dire, comme je dis de temps en temps, quand vraiment c'est trop, c'est too much. Ne venez pas me dire que vous n'aurez pas de chance en amour en juin. Alors, vous n'êtes pas dominante Sagittaire. C'est pas possible. Et bien maintenant, pour compléter tout ça, je vais vous donner, ou plutôt l'oracle, va vous transmettre la carte de l'union sacrée, son message. Amis Sagittaire, quelle est la carte de l'union sacrée qui vient vers vous? La carte de votre unicité. Pour vous. La nature sauvage, ma force animale, exulte mes sens. Je crois que c'est le Verseau qui a eu aussi cette carte, si mes souvenirs sont bons. En tous les cas, c'est une magnifique carte. Non seulement il y a beaucoup d'amour dans votre jeu, mais en plus une force animale. Oh là 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 là! Fermons les portes et les lumières. Éteignons les lumières. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite un magnifique mois de juin plein de lumière et on voit qu'il y en aura certainement. Et je vous dis profitez-en à fond et à bientôt.